Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Alexander Isak qui devrait malheureusement quitter la Real Sociedad cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Avant les frérots d'Alpoa, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est partis pour parler d'Alexander Isak qui devrait, comme je vous le dis, malheureusement quitter la Real Sociedad pour rejoindre le Barça. C'est parti. Comme vous le savez, le FC Barcelone se cherche un galactique pour cet été. Maintenant que le dossier Neymar est tombé à l'eau, le nom d'Erling Haaland revient souvent sur le devant de la scène. Seulement, les dernières informations venant d'Allemagne sont très peu encourageantes pour les Barcelonais, puisqu'il se dit que le Borussia Dortmund ne compte pas s'en séparer cet été et qu'il faudra minimum donc payer un montant exorbitant pour l'enrôler, ce que les Blaugrana ne comptent mais surtout ne peuvent pas faire. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si toutes les pistes chaudes sont des joueurs en fin de contrat, Eric Garcia de Manchester City, ainsi que Memphis Depay de l'OL et le Kun Agüero de Manchester City. Ces deux derniers devraient ainsi être les premiers renforts offensifs du club, même si le cadre du Néerlandais, tout dépendra ainsi de l'avenir de Ronald Koeman. Comme l'explique Marca, le FC Barcelone a une autre alternative pour compléter son recrutement offensif. Il s'agit les mecs, de toute façon, vous l'avez vu, que ce soit dans la miniature ou bien dans le titre d'Alexander Isak. L'attaquant de la Real Sociedad, déjà suivi par le passé, auteur de 14 buts en Liga cette saison, le joueur de 21 ans est considéré en interne comme un joueur avec une marge de progression encore énorme. Au Barça, on souhaite donc retrouver un véritable attaquant de pointe et si l'Argentin viendrait pour être remplaçant, le joueur du club basque serait lui un potentiel titulaire devant. Sans dire les frérots que l'état-major du FC Barcelone considère qu'il y a besoin de monde devant et le style d'Isak, souvent comparé à Zlatan Ibrahimovic, est considéré comme idéal pour le jeu de l'équipe. Reste maintenant à savoir si la Real Sociedad sera prête à s'en séparer alors que d'autres clubs comme le Borussia Dortmund sont aussi sur le coup. Voici en tout cas les mecs pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore les mecs pour les 5000 abonnés, je vous kiffe. Merci encore et voilà, continuez de vous abonner. Merci infiniment, salut.